President, please be seated. Président, veuillez vous asseoir. Now the floor is given to the OCP. Good afternoon, Mr. President, Your Honours, Council. Mesdames, Messieurs les juges, maîtres, Your Honours, bonjour. In the 15 minutes dans I have to respond, qui me sont perhaps pour I can répondre, make a few key points in relation to Qu Sampan's Council submissions. Pour répondre à ce qui nous a I think été livré the first thing la I'd like to make is that Council refers to the Chamber distorting the evidence en disant qu'elle a dénaturé la preuve, or distorting a déformé the, their la interpretation of the evidence to evaluate ou que leur interprétation de la preuve a été déformée. But I mean, it's clear today, Your Honours, that Council herself mais il est clair que has distorted the evidence before you in relation to what evidence preuve. Was available lorsqu'elle explique quelle était la preuve and à disposition today, de la Chambre. Et aujourd'hui, je ne vais très certainement pas discuter les preuves sur la preuve du crime ou la preuve reliée à Kyu Sampan et Nguyen Chia et en quoi les déclarations de culpabilité par ces personnes ont été justifiées. Ce sera pour demain. Mais à titre d'exemple, en ce qui concerne la déclaration qui a été faite par la défense de Kyu Sampan, selon laquelle il n'y a pas eu de témoignage pendant le procès par rapport au déplacement avant 1975, est tout simplement inexact. Elle devrait elle se souviendra très certainement de Poncho ou Heder, the witness Noi Mao, ou Noi Mao, ou encore Toi. Tous ont déposé devant la Chambre et ont fait état des mouvements, des déplacements de population avant 1975. So, it's just not the case that, ainsi, c'est tout simplement faux. Et j'en vois là quelques exemples. La Chambre s'est fondée sur des déclarations écrites qui n'ont pas fait l'objet d'un contre-interrogatoire. But perhaps I'd like to stay a little broader, but before I do, consoeur, I would refer demain. Your Honours to a decision E1/193.1, and this is in relation to Kyu Sampan's complaint that je me fonde sur ce document parce que Kyu Sampan s'est plaint de l'utilisation des déclarations d'impact des victimes. Ma consoeur en a parlé, mais je tiens à dire que l'argument énoncé par Kyu Sampan est catégoriquement faux et je fais référence à la décision prise en mois de mai 2013 par laquelle la Chambre confirme qu'il y a eu un consentement mutuel entre toutes les parties et la Chambre a décidé que les parties pouvaient demander ou pouvaient interroger les parties civiles relevant factual issues sur les questions factuelles to the pertinentes announced. Dans les délais then, impartis. A few days earlier, et un led peu plus tôt, ce qui avait permis d'aboutir à cette décision, information coming out in the segment in relation to reparations or par the rapport impacts à l'information trial, issue de ce segment portant sur les victimes et la réparation, c'est quelque Raynor, chose qui a été avancé par Keith Reynolds, l'un des co-procureurs, qui disait que les parties civiles devraient être interrogées sur toutes les questions abordées dans le procès, que les preuves liées aux souffrances suite à la commission des crimes étaient inextricablement liées, qu'on ne pouvait pas les séparer l'un de l'autre, les parties civiles entendraient les victimes du déplacement forcé et leur témoignage allait au cœur du procès. La défense devait ainsi avoir la possibilité de remettre en cause la preuve, mais les
partait du principe qu'un examen complet devait avoir lieu, le devoir de la Chambre à la manifestation de la vérité, et les parties civiles qui déposent devaient être témoignées de la même façon que les parties civiles qui avaient précédemment témoigné. Et ensuite, la défense de Nguyen Chia a répondu, je ne pensais pas que je dirais ceci un jour devant le tribunal, mais je crois que je suis d'accord avec les 10 arguments avancés par l'accusation. Ainsi, nous sommes pleinement d'accord avec ce qui a été dit par l'accusation. La défense de Khieu Samphan agreed with that position était également d'accord avec cette position qui a abouti à la décision qu'a prise subséquemment la Chambre. Ainsi, lorsque la défense de Khieu Samphan dit à présent que les preuves découlant des déclarations d'impact des parties civiles ne devraient pas être utilisables, bien ce ne devrait pas être possible à ce stade alors que les parties s'étaient mises d'accord et la Chambre avait tranché. Les informations qui découlent des victimes lors de leur déclaration d'impact suite au déplacement forcé 1 et 2 sont liées aux faits. But if I can move on, Your Honours, and perhaps si vous me permettez d'avancer, one of the most significant points that Khieu Samphan's counsel raised, j'aimerais revenir sur l'un des arguments phares soulevés par Khieu Samphan, right, l'idée selon laquelle son droit de remettre en cause ou de contester la preuve retenue contre lui, particulièrement les témoignages et les déclarations de personnes qui ne sont pas venus devant la Chambre, et en quoi cela allait à l'encontre de son droit à un procès équitable et que donc cela invalide le verdict. Eh bien, à ce propos, j'aimerais dire que si vous prenez le dossier dans son ensemble, il est tout à fait faux de considérer que l'affaire repose ou s'est construite autour de déclarations écrites sans qu'il y ait la possibilité de contre-interroger les personnes au sujet de ce qui apparaissait dans leurs déclarations. Nous avons entendu à peu près 92 témoins, 25 000 pages de transcripts. And very significantly, Your Honours, et il est tout à fait significatif que 5 800 documents soit 22 000 pages en trois langues officielles. Voilà les chiffres. Donc, si l'on divise 70,000 pages of relevant probative si on fait des calculs, on se retrouve avec un grand nombre de pages de matériel probant. 70 000 pages, donc au total, there was 2,800 documents that originated from Democratic Kampuchea, issus du Kampuchea démocratique ou de la période précédant le Kampuchea démocratique, des documents qui ont été enregistrés à l'époque par des personnes qui faisaient partie des Khmer Rouges, qui étaient au PCK, ou des personnes qui observaient. Moins de 20% des preuves soumises à la Chambre sont des déclarations écrites qui ont été versées ou admises sans contre-interrogatoire. Moins de 20%. The documents in the case file, and the reason why les I raise documents this qui figurent au dossier, la raison pour laquelle je soulève cela, c'est parce que la défense nous dit que la chambre de première instance, n'avait pas suffisamment de matériel significatif pour pouvoir fonder son jugement. Your Honours, there were 200 statements from the accused Madame, Messieurs les juges, il y avait 200 déclarations des accusés eux-mêmes qui figurent à ce dossier. Et nombre de ces déclarations vont dans le sens de prouver les actes et conduites et les politiques qui ont eu lieu. Mais qui plus est, 80% des 200 were produced by the CPK themselves. Des 2300 documents sont le fruit du parti du PCK lui-même. Donc, on a là
relevant to une vaste source de matériel à charge qui est pertinent du point de vue du rôle, de l'autorité, de la position des accusés, des politiques, de la structure hiérarchique militaire, de la structure administrative through which the crimes were committed. Par le biais desquels les crimes ont été perpétrés. Tous ces documents étaient à disposition de la Chambre, soit 495 copies de télégrammes, de rapports émanant des zones, des divisions militaires et des organisations du Kampuchea démocratique, 345 déclarations publiques prononcées par le gouvernement du Kampuchea démocratique, 38 rapports ou comptes rendus des réunions des dirigeants du comité, des dirigeants, dont auquel était présent, auquel M. Kyusampan était présent pour 16 d'entre elles. Donc ainsi, on a la preuve de la participation active de Kyusampan au PCK. Tout ceci est extrait de documents de l'époque qui ont été laissés à l'époque. Et il est particulièrement significatif et important de constater que 86 publications du PCK portent sur les politiques that were coming du out, gouvernement, the criminal policies that were coming out, politiques criminelles unabashed, qui ont été lancées et qui ont sévi pendant le Kampuchea démocratique. On les retrouve dans l'étendard révolutionnaire et un autre magazine de l'époque. Si vous prenez the trial chamber looked at the case le dossier, in terms of its eh bien, la chambre a pris le dossier dans son ensemble. Elle a pris la preuve dans sa globalité, dans son ensemble, tout ce qu'elle avait, tout ce dont elle avait été saisie. Et voilà l'approche qui, à notre sens, est la bonne approche. L'approche que la Chambre aurait dû apprendre. Certainly in Nguyen-Chia's brief and in Kyusampan's brief, not il as ne s'agit their pas, arguments, contrairement à ce qu'avancent les mémoires de Kyusampan et de Nguyen-Chia d'appel, il ne s'agit pas de prendre les faits séparément, isolément, prendre d'une part, par exemple, les témoignages devant la Chambre et les mettre en contraste avec des déclarations écrites et les mettre en contraste avec les télégrammes, les rapports, ne pas compartimenter. Ce qu'ils vous demandent, c'est de prendre les faits isolément. 521, la Chambre, right au paragraphe 521, say, adopte la bonne approche. La Chambre chamber, dit avoir pris l'ensemble des éléments de preuve qui lui ont été soumis et après cet examen conclut que plusieurs milliers de personnes sont mortes des suites de l'évacuation de Phnom Penh. J'ai très peu de temps à ma disposition, mais je peux vous renvoyer au jugement d'un cas du tribunal pénal pour deux. Rwanda, il s'agit de la source numéro 70, le 20 septembre 2007, arrêt de la Chambre, paragraphe 153. Il s'agit de l'affaire Limay. On y explique que les faits individuels, that might les be meurtres before the chamber individuels in qui sont forms, que connaît la Chambre dans leurs diverses, sous leurs diverses, sous leurs divers supports, qu'il s'agisse d'éléments politiques, de témoignages ou autres, doit être prouvé au-delà de tout doute raisonnable. C'est l'ensemble des faits relatifs au crime. They state the ultimate weight to qui intéresse. Be attached to ils each disent relevant que le poids final à apporter à chaque fait individuel ne doit pas être déterminé isolément, même si chaque fait pertinent vu isolément n'est pas suffisant pour convaincre ou pour satisfaire à l'obligation de la preuve de l'accusation. C'est l'effet cumulé, c'est la preuve prise dans son ensemble ou la totalité de la preuve qui doit être pesée afin de déterminer si oui ou non l'accusation a réussi à démontrer l'affaire au-delà de tout doute raisonnable. Voilà l'approche qui doit être abordée. You'll lose the forest for the trees. Comme le dit le proverbe, on perdra de vue la forêt si l'on ne s'attache qu'à regarder un arbre et essayer de prouver que cet arbre existe au-delà de tout doute raisonnable. Voilà l'argument. Supporting how Kyusampan committed these crimes and Nguyen-Chia.
et de voir l'ensemble de ces preuves qui prouvent que Nunchia et Kyo Sampan ont commis ces crimes. Et nous vous exhortons à prendre les documents contemporains de l'époque, parce qu'on a là vraiment des documents significatifs qui vous montreront que la Chambre de première instance a pris la bonne décision à la lumière de la preuve et des déclarations écrites. Je pense, si vous me laissez encore 2 minutes pour conclure, mesdames, messieurs les juges, car je crois avoir déjà dépassé le temps qui m'était imparti, when we talk about when the trial chamber admitted these written statements, lorsque la chambre that was done a déclaré recevable ces déclarations écrites, elle l'a fait conformément aux normes et pratiques internationales. Elle l'a fait comme on l'aurait fait dans le tribunal pour l'Est Yougoslavie, comme dans le tribunal pour le Sierra Leone ou le Rwanda, et au sein de tous les autres tribunaux ad hoc. With their knowledge, et elle l'a fait en sachant qu'elle n'utiliserait pas ces éléments de preuve pour prouver les actes et conduites de l'accusé, parce que cela ne peut pas être fait. Cela n'est pas autorisé au titre de la jurisprudence en vigueur. Sinon, on ne permettrait pas à la défense ainsi de contester ces éléments de preuve au titre des actes et conduites. There's millions of on a respecté la pratique they would never qui end. Est en vigueur. And so it's a balancing game, not a game, et on se retrouve but a balancing dans un délicat exercice that the trial chamber took pour trouver un équilibre as corroborative evidence in this case. So dans l'appréciation de la in the preuve 600 page afin judgment, de and the 300 or so decisions by prendre the trial sa décision chamber, dans toutes les décisions qui ont été prises et qui dépassent le nombre de 300, et dans le jugement, nous pouvons dire qu'il s'agit d'un raisonnement raisonné qui repose sur un niveau approprié de preuve qui naturellement sera débattu demain. Je vous remercie. Président, the next stage will be the questions by the bench. Nous avons des questions in relation to the first and second semantic sessions. Les premières et deuxième sessions thématiques concernant l'équité du procès et la constitution as well du règlement general ainsi que l'approche générale de la preuve. To the bench, je donne la parole maintenant on these two semantic, themes. À l'accusation pour pouvoir au juge, pardon, corrige l'interprète, pour poser ses questions. I'd like to ask the prosecution in relation to the averment of the appeal that there is no, because it logically follows from what the prosecutor was presenting before us, that there is very little, if any, discussion on the reliability sur la fiabilité of evidence and witness credibility. Preuves et de la crédibilité des témoins. Would you defend the trial judgment? Est-ce que vous défendez donc le jugement à cet égard? Yes, Your Honours. Oui. When Your Honours look at the si vous regardez, mesdames et messieurs les juges, le jugement dans son intégralité, les juges se fondent ou ils établissent clairement au début. When they deal with their trial, lorsqu'ils parlent du procès équitable, ils disent très clairement qu'ils traiteraient any written evidence toute preuve écrite that the accused hasn't had an opportunity to cross-examine que la défense n'a pas eu l'occasion de contre-interroger avec soin, avec précaution. De la même façon, on dit de façon claire que les accusés sont présumés innocents jusqu'à ce qu'ils soient déclarés coupables. Et on dit que la culpabilité doit se fonder sur au-delà de tout doute raisonnable.
assessment of the evidence. Parce que au sein de l'évaluation des preuves, la chambre interprète tout doute comme la culpabilité, comme étant à l'avantage de la défense. Et pour that may be drawn from the evidence must be consistent with the guilt of the accused. Et donc les preuves doivent être cohérentes avec la culpabilité de l'accusé. Dans un sens général, je pense que l'on devrait partir du principe que l'application de ces standards ou de ces normes, the high standard that's required dealing with all elements in the trial, c'est-à-dire done throughout the judgment. Que ceci a été appliqué tout au long du jugement. Et lorsque l'on regarde le jugement particulier, on voit un certain nombre d'incidences où la chambre fait une réflexion sur les preuves, là où il y a donc des preuves incohérentes, ou lorsqu'il y a des parties de preuves, ou lorsqu'il y a des témoignages sur d'autres parties. Just refer your honor to a number of paragraphs. J'aimerais vous référer à un certain nombre de paragraphes parce que là ce serait trop long. 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425 4 425
The chamber did hear three witnesses on the application of Nunchia for additional evidence. Dans le cadre de la demande de Nunchia, the chamber would like to know from the parties whether that evidence has had any impact on any of the findings of the trial chamber in the judgment. And the chamber would like to start with the defense counsel for Kyo Sampan. Le conseil de la défense de Kyo Sampan. Merci, Madame le juge. Thank you, Your Honor. Précisément, j'allais rebondir sur un élément donné tout à l'heure au sujet de that was presented earlier la réunion sur concerning, l'évacuation. Je veux d'abord parler du témoin que vous avez entendu, qui s'appelle Totten, the witness you à l'audience heard, du 6 juillet 2015. On 6 July 2015. Et ça revient and, exactement à ce exactly que je disais au sujet de la légèreté regarding, du traitement de la preuve par la chambre. Way the chamber dealt with the evidence. Dans l'intégralité in du jugement, the judgment in its totality, il n'y a qu'un seul témoin there qui is parle only one single witness du contenu who is speaking about de the content about la réunion au sujet de l'évacuation. Of, evacuation. Il y place entre autres Nunchia, Kyo Sampan et Rosnik. Talks about Nunchia, Kyo Sampan à l'audience du 6 juillet on the donc 2015, vous avez entendu of 6 July 2015, you heard garde du corps who de Rosnik, was Rosnik's bodyguard, il vous dit, and he told c'est un petit peu après 14h12:41, donc le document c'est this is document F1/3.1. Et la question, the question that was put to him was the question that was put to him by l'avocat de la défense, mon frère Verken, my colleague Arthur Verken. On lui pose des questions sur team, cette réunion, and questions are being la fameuse put to réunion de 74. That famous meeting in 1974 about on the evacuation. Demande, est-ce que vous vous souvenez, monsieur? Do you remember? Si en 1974, vous avez accompagné Rosnim à une réunion qui dura deux semaines et qui s'est tenue à peu près 300 km, voire plus, de D20. Est-ce que vous vous souvenez de cela? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Does that ring a bell? Et la réponse and est la suivante, non. Ce n'était pas en 1974. No, it was not je in 1974. I think en it was 75. Rather in 1975. Cela s'est passé après la conférence. This happened after the conference. Donc, so, on appelle. Here in appeal, nous avons un témoin we have qui a accompagné witness, Rosnim et qui nous dit que Rosnim, la réunion told us that the meeting qui a été fixée par was, la chambre de première instance determined by quelque part the, en juin 1974 pour laquelle elle a réuni tous ces éléments and for which it brought together all of the elements I described to you earlier, we have another appeal witness who tells us that Rosnim, qui l'accompagnait tout le temps, n'a pas assisté did not attend à cette réunion. That meeting. C'est Rosnim, so, c'est un membre a priori Rosnim de l'entreprise criminelle commune telle que a priori elle a été one of the members of par la the JCC et c'est un élément nouveau by the chamber, qui est utile and this is également a new element that's also useful, à prendre en considération et qui démontre que se baser sur un seul témoin dont la crédibilité encore une fois est contestée du côté de la défense pour arriver à situer M. Kyo Sampan à une réunion à laquelle Rosnim aurait également assisté, went to a meeting ça pose un which was also attended by Rosnim. Vous avez également that is problematic. And, you les also déclarations have de Sam Sitti, je l'ai évoqué brièvement tout à l'heure. I was speaking about this earlier, briefly. Qui, selon Sam la déclaration who, écrite, to the written statement, apparently attended, l'exécution the, de membres de sa famille, execution of members qui, of his family, au niveau, and lorsqu'il arrive when he, et qu'il témoigne devant la chambre, ce n'est plus la même chose. On se rend compte que something else. It was a different story. Ce qui est indiqué dans sa déclaration écrite, what is written in his written statement, ce serait finalement pas qu'il aurait assisté not that he à l'audience. Il vous dit qu'il aurait entendu une heure après this execution, un coup de feu. Et là, ça me permet de later, revenir. He heard je retrouve les références exactes. Je vais vous find les exact references, but I'll give them to you later. Voilà, si. Yes, here I have them. Donc finalement, on réalise, et là, c'est vers 15h16, this was à l'audience the 3:16 in the du 3 juillet 2015. The hearing of 3 July 2015. On réalise qu'il n'aurait pas understand, finalement été témoin oculaire d'une exécution et que finalement, il aurait entendu des coups de feu environ heard gunshots about one hour des hommes se répartis
after his father was taken away, problème de crédibilité que il y a des gens qui seraient capables de corroborer des gens de sa famille pour corroborer ses faits. Mais finalement, quand on lui demande quel membre de sa famille, which members of the family, he no longer remembers. Et puis surtout, vous avez aussi un autre élément qui démontre une mauvaise pratique de la chambre, à savoir que le matin, lorsqu'il est interrogé à chaud, qu'il s'agit de réagir en fonction de ses souvenirs et de son vécu. And on the basis of his experience, he provides on lui oppose a certain version. À un moment, l'avocat de la défense Copé lui oppose et lui laisse à disposition sa déclaration écrite, celle qui avait été utilisée challenges him and gives him his par written statement, la chambre de première instance. That was used by the trial et puis là, chamber. L'après-midi, il a le temps de relire sa déclaration et il change de déclaration. And he tells you a completely different il revient, story. Il redonne encore une autre version. Donc là encore, c'était la démonstration. Deux choses, la démonstration que un témoin, une déclaration écrite, simplement, quand on se base dessus pour établir des crimes, c'est léger, rien ne vaut la confrontation à l'audience. Et ça me permet également de compléter en disant que la relecture et la pratique que la Chambre de première instance a établie et continue encore aujourd'hui d'utiliser, à savoir de faire relire et confirmer de façon générale les déclarations antérieures des témoins, ça a une incidence sur la spontanéité de la preuve et les possibilités de confrontation à l'audience. Un autre point qui est aussi également important de noter au sujet des déclarations écrites, qu'on soit bien clair, nous n'avons jamais dit que la Chambre s'était uniquement fondée sur des déclarations écrites. Mais si, Monsieur le Président, vous me permettez de rebondir sur ce sujet, je rappelle que nous avions déposé à notre requête on a une demande d'arrêt des procédures, une annexe, un addendum plutôt, et c'est le document devant votre chambre, E275/2/1.3.1. Et c'était une... Non, pardon, la demande urgente, pardon, l'addendum était /1/3. Et vous aviez donné ce numéro avec point 1 en annexe. La demande d'urgence de clarification que nous avions fait, justement en relation avec la décision de la Chambre sur la question des déclarations écrites. Et vous verrez, je vous demande vraiment de porter attention à ce point, que lorsqu'on nous dit que nous avons eu la possibilité de faire des objections, il faut voir dans quelles conditions ces objections étaient faites. Il faut rappeler que la décision de la Chambre de première instance sur les déclarations écrites est intervenue un an après la requête, que par la suite elle avait donné un délai particulier au procureur pour donner ou réviser leur liste. Elle avait donné un délai de 40 jours, qui a été dépassé par les coprocureurs de 40 jours, et que c'est the deadline by 40 days, 16 jours après, and it is 16 days later, c'est-à-dire en maintenant le délai initial pour les observations en réponse de l'accusation, à l'accusation que les équipes de défense ont pu faire leurs observations. C'est-à-dire qu'on devait faire des observations et des objections sur une liste qui a été fournie 40 jours en retard et qui a été malgré tout acceptée par la Chambre. Et évidemment, il est évident que ce n'est pas en 16 jours qu'on pouvait faire des observations et des commentaires particuliers sur 1399 déclarations écrites. Donc ça, c'est quand même un élément à garder en tête qui milite aussi sur en faveur de la thèse que nous avons, à savoir que la Chambre, là encore, a ses preuves de partialité. Le troisième témoin, dont le nom m'échappe, qui va revenir tout de suite, qui évoque la question des réunions auxquelles il aurait assisté, et notamment Saouvan. Le témoin Saouvan, qui a également été entendu devant la chambre de première instance dans le cadre du procès 02-2, qui évoque une réunion à laquelle il aurait assisté, à laquelle il a bien entendu un certain nombre d'indications de la part
de membres, de dirigeants du PCK à l'époque, disant qu'il ne fallait pas CPK, tuer les anciens soldats de la République mère, les soldats de London. Il est évident que c'est un élément qui est important, notamment parce que, c'était la thèse de la défense particulièrement développée par l'équipe de Nunchair, correspond également à la thèse de Kyo-Sampan, à savoir qu'il n'y a jamais eu d'adhésion, en tout cas, de M. Kyo-Sampan à un quelconque plan en vue de tuer des personnes anciennement de la République khmère, que Thun Pol Shrey s'est passé dans une zone où il y avait des responsables de zone qui n'ont pas respecté la politique du PCK, et que dans ces conditions, la question de l'entreprise criminelle, la question du bout commun doit être revue et ne saurait suivre la logique de la Chambre dans le cadre de son jugement. Parce que ça, c'est un élément qui est important, on est toujours sur une notion d'une vision monolithique de ce qu'était le PCK, monolithique de ce qu'était les Khmer Rouges, on parle des Khmer Rouges et des Khmer Rouges, mais ça, c'est un élément qui avait été ça également noté par l'expert Short lorsqu'il a été entendu devant cette chambre. Il n'y a jamais vraiment eu d'armée ou de forces armées unifiées. Les armées étaient des armées de zone. La manière dont s'est déroulée l'évacuation, on l'a vu, il y a eu des éléments à l'audience pour dire que selon les zones, ce n'était pas les mêmes méthodes. On a eu également à l'audience des éléments pour dire que, ça c'était un point essentiel pour l'équipe de Nunchia, mais qui rejoint la préoccupation de savoir qu'on ne peut pas parler d'entreprise criminelle commune, on ne peut pas parler de but commun si les membres de l'entreprise criminelle commune alléguée ne sont pas d'accord sur tout, ont des visions différentes, et comme dans n'importe quel mouvement politique, ont des scissions ou des courants internes. Et dans ces conditions, nous soutenons également que pour Thun Pol Shrey, le témoignage de Sao Van permet de remettre cela en perspective, de réaliser que ce qui est considéré comme une politique générale initiée par le PCK est en fait, peut se voir en fait comme des dérapages et des mauvais choix de responsables de zone qui n'ont rien à voir ni avec l'ensemble des dirigeants du PCK et encore moins avec M. Kyo-Sampan, dont je rappelle que la Chambre avait considéré qu'il n'avait aucun pouvoir en matière militaire. Kyo-Sampan, the chamber considered that Kyo-Sampan had no authority with regard to military matters. Thank you very much. Any submissions by the civil parties? Merci. Before we go to the prosecution, veulent-elles présenter des arguments avant de passer au procureur? If there was any impact from the additional evidence? Est-ce que les éléments de preuve supplémentaires ont-ils eu une incidence? Merci de nous donner la parole, Madame le juge. Nous n'avons pas d'observation à faire sur ce point. Your Honor, we have no remarks to make on this matter. The OCP. Thank you, Your Honor, for the question and the opportunity to address it. I don't believe the defense counsel has answered your question. Your question was the effect of the testimony on any findings of the trial chamber. Our position is clear. There's none. There is nothing that was said by these three witnesses would contradict the findings of the trial chamber. In fact, it is our view that the testimony of these witnesses simply added additional evidence showing that the trial chamber's findings were correct. And going through them briefly, and I admit that it's been a while, my memory is not perfect on their testimony, but Sao Van, for example, testified. Counsel makes the point that he said that at a meeting, he claims that Tamok, I believe, said that those below him were not to kill Lon Nol, I believe he said colonels and above. I could be corrected about exactly how he described it. First of all, Your Honors, it's important to keep in mind what the evidence has been consistently in the case, and that is when it came to the authority to kill. The authority to kill was delegated, there's a document on the case file, by the center to the zone leaders.
part, le centre, and many witnesses have testified, including district secretaries, that it was the zone leaders that had to approve any killing. So Tom Mok simply telling those below him, you don't kill without my order, is consistent with the evidence. They were, sans son autorisation. And furthermore, Sal Van's testimony demonstrates how Lon Nol officers and soldiers and officials were put into a category of suspects and treated differently. You will recall that he testified that he himself felt under pressure, under suspicion, because his brother had been a Lon Nol official. And he even said in his D.C. camp statement, which I believe Your Honor has admitted into evidence, he talks about going, his brother being taken to a place of detention, and how he went to use his influence to get his brother out of the detention or to allow his wife to be brought to that location and to be with his brother at that time. At that place, I believe it was called. Dû, faire jouer, de l'influence de son épouse pour sortir son frère de ce lieu de détention. I believe it was Office 204. It was called in that district, where he was detained with others. C'était le lieu où il était détenu avec d'autres. So Salvan simply demonstrates further that the trial chamber was correct, that there was a policy of targeting former Lon Nol officials and soldiers. We go to Sam City. Your Honor saw his testimony, and we submit his testimony was absolutely consistent. And you also, I'm sure, appreciate the advantage of those who actually get to witness a person testify, because you could see during his testimony, I submit, that the things he was talking about are things he experienced and can never forget. This happened 40 years ago, approximately, and he was very young at the time. But what he testified to is he did witness an execution. That was the execution of his mother and others who were put into the bomb crater. He was with them and survived. He said that he heard the shots about his and when his father's group was taken away and killed, and his mother tried to comfort him and tell him, oh, son, they're just hunting. But he was afraid because he suspected that they had killed his father at that time and the rest of the group. And those people, his father and the others, have never been seen again. So Sam Sithi's testimony was extremely important because it would contradict anything that Salvan or other evidence that the defense has tried to put forward about how former Lon Nol officials and officers were treated. Sam Sithi talks about how in this location, which was the same commune where the top Khmer Rouge leadership planned the attack on Phnom Penh, that at that location, a large group had assembled, I believe, at the pagoda, that the Khmer Rouge used a tactic that the evidence in this trial and in the judgment shows was used throughout the country to try to fool these people into self-identifying themselves. They were told anyone who was a former officer or a former official, we want to give you your old jobs back, the war is over, come identify yourself and you'll get more rice and you'll get your old jobs back. And his father did that, and many, many others did that. And he said even some tuk-tuk drivers thinking that, oh, this is a way to get free rice, they did that. And it was clearly a tactic to have them identify themselves and then be taken away for execution. And that's exactly the same as what Phuoc Thuan testified to, the final witness that Your Honor's called. He talked about what happened in the Northwest Zone. He was working under Ru Nguyen, his adopted father.
He also talked about the regular communications, that he would carry messages from Runyim to be, I believe, sent by telegraph to the center and then carry back messages from the center. I think he said that that was going on about twice a day at that period of time. He talked about how he himself was jealous when he heard the announcement that former Lon Nol soldiers are going to be taken to see the king. And he felt jealous because he saw these former Lon Nol soldiers and officers. Okay. We remember what he said. If we could get to the impact of which a particular finding is strengthened or weakened by any particular witness. This further corroborates the policy to kill Lon Nol soldiers and how widespread it was. One of the things you have to keep in mind when Tuat Tuan talked about witnessing soldiers being taken away and then never being seen again. He was not talking about Tulpo Tre, but another location in that district, which again shows how widespread it was. He said he was 100 kilometers from Tulpo Tre at the time. But this was a nationwide policy, and that's what the judgment found, and that's what this testimony simply confirmed. I would just add that counsel, I believe, misrepresented the testimony of Philip Short. I don't have the exact quote to give to you at this very minute. But while Philip Short certainly recognized that the Khmer Rouge army was organized by zones, he made it very clear that this was not a group of independent militias. They all answered to one central authority, which was giving the orders and was being obeyed by these zone forces. Thank you. Qui communiquait les informations aux zones et aux forces des zones. Je vous remercie. Judge Yanaran, I have a question, and this question is directed to the defense team for the accused. I understand that the Nguyen Chia defense team did not make any further submission. But in the submission of the defense counsel for Mr. Nguyen Chia objected to the approaches used by the trial chamber in putting the burden on the accused, particularly in relation to the crimes against humanity. Between 1975 and 1977, there was a two major steps of evacuation. And many people lost their lives during the two stages of evacuation. And I cannot quote the exact number of people who died during the period. And people were suffering from inhuman acts during those evacuations. The trial chamber heard evidence for many months, and the trial chamber based itself on voluminous evidence to place Nguyen Chia and Khieu Somphon under the crimes of a murder, forced transfer, and persecution on the political ground, and also other inhuman acts. So the trial chamber has based itself on the 1,000 pages of evidence, not just on one page of evidence. And the trial chamber has used various types of evidence, including the evidence inside the court and also from other sources, namely hearsay evidence. So in addition to that, the trial chamber has relied on other evidence to place the criminal responsibility
on the accused. As I said, the trial chamber has relied on hearsay evidence as well. The defense counsel for the accused has challenged the methods of tendering all those evidence, and the accused has asserted that these methods violated the fair trial rights of the accused. So my question has something to do with all the methods which were applied to those evidence. So to what extent did the methods of tendering those evidence impact the fair trial rights of the accused? And please give the response to my question, counsel for the accused. Pour diriger ma question à la défense, aux équipes de défense. Merci, Monsieur le juge, pour cette question. Je pense qu'il y a une partie à laquelle nous ne pourrons répondre que demain lorsque nous aborderons la question des crimes et de la responsabilité. Mais pour répondre à votre question que la Chambre s'est fondée sur différents éléments de preuve diverses sources. Comme je l'indiquais tout à l'heure, la question n'est pas tellement sur quoi la Chambre se fonde, mais ce qu'elle fait de la preuve. Et là, très clairement, par exemple, pour la question de ce qui va l'aider à parler de discrimination et d'intention discriminatoire ou d'intention de contrainte à l'égard du peuple nouveau et ce qu'elle trouve à l'encontre de M. Kossampan, je vais vous prendre un exemple que nous avons développé dans le paragraphe 247 de notre mémoire d'appel. Au paragraphe 783 du jugement, la Chambre va expliquer que la thèse de M. Kossampan avait en elle des germes de ce qui s'est passé par la suite au Kampuchea démocratique. Et elle va dire qu'il y avait un élément de contrainte, que c'était quelque chose qu'on pouvait trouver dans l'idéologie, on va dire pré-75 de M. Kossampan, une source dans sa thèse. Or, alors oui, elle cite la thèse, il n'y a pas de problème. Elle nous cite dans notre battage de son jugement, paragraphe 783. Le problème, c'est que la thèse ne dit pas du tout ce que la Chambre en fait. Exemple, on va nous parler en disant que dans la thèse, il y aurait des notions qui allaient envisager ce qu'allait être plus tard le peuple nouveau. Mais la simple lecture de la thèse, et ça c'est le document E3/123, nous dit le contraire. Que dit M. Kossampan à l'époque de sa thèse? Il dit, et je cite, il parle des équipes des masses paysannes et il dit la constitution des équipes d'entraide mutuelle dans lesquelles les instruments de travail, la terre et les produits du travail restent propriétés privées. Donc alors là, on n'est pas du tout dans la politique du PCK, mais mise en œuvre par une méthode de travail collectif correspond pleinement à l'état d'esprit actuel du paysan khmer. Autre citation, un petit peu plus loin. Ainsi, de nouvelles terres pourront être dégagées sans bouleverser la technique actuelle et par conséquent sans absorber trop de capitaux qui pourront être utilisés pour développer l'industrie. Là non plus, on n'est pas dans la politique du PCK. Plus tard, un peu plus loin, il dit, nous estimons qu'on peut et qu'on doit chercher plutôt à dégager leurs possibilités contributives en cherchant à transformer ces propriétaires fonciers, ces commerçants intermédiaires, ces usuriers en une classe d'entrepreneurs capitalistes agricoles ou industriels. Entrepreneurs capitalistes agricoles.
Là encore, on est loin de ce qui a été présenté par la Chambre comme la politique du PCK et je ne peux pas concevoir que l'on puisse admettre que là, c'est une bonne utilisation de la preuve. Oui, on a utilisé la thèse de Kyusampan. Oui, on l'a citée, sauf qu'on lui fait dire quelque chose qu'elle ne dit pas. Et c'est ça un petit peu le problème que nous avons avec la Chambre. Ce n'est pas tant de dire. Évidemment, il y a le problème des déclarations écrites, les gens qu'on n'a pas pu contre-interroger, etc. Je veux dire, ça, c'est un exemple précis de déformation de la preuve et d'une utilisation. Oui, c'est la preuve, elle existe, mais on ne lui fait pas dire ce qu'elle dit vraiment. Et j'entends du côté de l'accusation, on nous dit, oui, mais alors, la défense isole tel ou tel argument, il faut voir les choses en globalité. Voilà, mettons-nous dans l'autre situation. Si nous nous étions contentés de dire... Oui, non, mais globalement, la preuve, elle n'est pas suffisante. Vraiment, ça ne va pas. On nous aurait dit, non, mais là, on nous parle de façon générale et on ne prouve pas, on ne démontre pas les choses. Nous, ce que nous avons fait, ce que nous avons essayé de faire dans le cadre de notre mémoire d'appel, c'est de démontrer en quoi les conclusions de la Chambre avec l'utilisation de cette preuve avaient été une mauvaise utilisation de la preuve et une violation des droits de M. Kyusampan. Et là, j'en reviens et je réponds à l'accusation sur la question de la Chambre n'est pas obligée de motiver tout, sauf, excusez-moi, question de la démarche déductive. Quand elle utilise divers éléments, la fameuse forêt dont parle monsieur le coprocureur, quand elle utilise divers éléments pour arriver à une conclusion qui va entraîner ensuite une condamnation, parce qu'elles ne sont pas faites comme ça, elles ne sont pas faites au hasard, ces déductions. Ces déductions, c'est pour, par exemple, dans l'histoire de la thèse, pouvoir trouver une intention qui va être ensuite utilisée dans le cadre d'une définition du crime, là, en l'occurrence, persécution ou discrimination. Ça a un sens. On utilise et on déforme cette preuve, on l'agence pour arriver à un résultat. Donc oui, quand la Chambre utilise cette démarche déductive pour arriver à un résultat qui va entraîner la condamnation de M. Kyusampan, évidemment qu'elle a le devoir de motiver. C'est parce qu'elle l'a motivé, c'est parce qu'elle explique pourquoi elle retient que nous pouvons aussi démonter son raisonnement. Donc, clairement, la question n'est pas de savoir quel est le nombre de notes de bas de page, quel est le nombre d'éléments, le nombre de pages qui sont utilisées, c'est comment c'est utilisé. Évidemment, il y a la question, nous maintenons cette question sur le problème de la valeur probante de certains éléments, mais au-delà de la valeur probante, il y a aussi la manière dont on l'utilise, et si on l'utilise mal, je suis désolée, nous avons tout à fait le droit de faire appel de cette mauvaise utilisation. La jurisprudence que j'ai recitée sur la démarche déductive, elle est là pour le faire. And the jurisprudence is there to justify our approach. President, it is now almost 4 p.m. Il est à présent presque 16 heures. So it is convenient. It is a convenient time now for the adjournment, and it will resume tomorrow at 9 a.m. À 9 heures. Security personnel are instructed to bring les agents de sécurité sont priés de ramener the accused les accusés back to the detention facility of the ECCC and have them returned tomorrow at 9 a.m. The court is now adjourned.